Je suis vraiment excité. Tu fais vraiment un très bon travail. Tu sais, ce n'est pas facile de superviser ce projet pendant 2 mois maintenant en mon absence. Écoute-moi. Mon fils est en train de progresser. Je dois contribuer du mieux que je peux pour l'aider à avancer. Ils sont presque finis. Mais tu dois maintenant penser à autre chose. Ce que doit faire un homme. Autre chose comme quoi, maman? T'es trouvé une femme et me donner des petits-enfants? Maman, s'il te plaît, ne va pas là-bas. Ça, c'est le cadet de mes soucis en ce moment. Kenneth, tes affaires marchent à merveille. Tu as une voiture, une grande maison, en ville et ici au village. Qu'est-ce que tu attends encore, Kenneth? Écoute, tous les hommes ne sont pas faits pour se marier vieux. Tu as tout ce qu'il faut pour prendre soin d'une famille, alors fais-le maintenant. Ne suis pas ce que les autres font. Tu m'as entendu? Fais-le, mon fils. Tu vas attendre jusqu'à quand, dis-moi? Kenneth, tout ce que je veux, c'est les petits-enfants. Point barre. Oh. Ok, maman. Je vais faire ce qui est de mon mieux pour résoudre ça, d'accord. Okay? C'est très important. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Ce n'est pas drôle. Tu vas voir ce que tu veux. Chérie, je suis désolé, ok? Papa, j'avais attendu pendant un très long moment. Je sais pas quand est-ce que j'étais même dormie. Je sais que tu as dû être frustrée, mais je suis désolé. J'ai laissé les clés chez ta maman, pensant qu'elle serait de retour avant que tu ne quittes l'école. Je savais pas que tu serais là avant elle. Ok? Mais papa, c'est pas ce que j'avais dit la fois passée. Quand est-ce que tout ça va prendre fin, papa? Ça va s'arrêter. Je te promets ça. Ça va, je suis désolé. Ah, chérie. Bonsoir, mon amour. Bonsoir. Écoute, bébé, j'avais planifié de rentrer à temps. Mais j'ai rencontré des imprévus, s'il te plaît. Je suis désolée, chérie. Maman, tu as toujours des excuses à me donner. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Malgré qu'il y a toutes ces excuses, quand est-ce que vous allez changer? Nous sommes désolés, ma chérie, ok? Je promets que ça ne va plus se répéter. S'il te plaît, crois-moi.
Merci, bébé. Allons à l'intérieur. Prends la douche et puis on mange quelque chose. Mon amour, j'essaie de faire comprendre à Oma, mais elle ne me comprend pas toujours. Tu donnes à ton unique enfant une impression très mauvaise et méchante que ses parents ne se soucient pas d'elle. C'est-tu le genre de dommage que ça causerait à ses émotions et psychés? Si tu avais écouté tout ce que je te disais tout ce temps, ça ne se serait pas passé. Mais qu'est-ce que tu racontes? N'agis pas comme si tu ne sais pas ce dont je parle. Qu'est-ce que tu dis? Nous louons une maison de première classe et notre fille étudie dans une des écoles la plus coûteuse de la ville. Nous nous démenons pour répondre aux besoins de toute la famille. Tu t'attendais à quoi? Tu vas ton problème. Tu es si obstiné. Tu ne donnes aucune attention aux affaires de cette famille. C'est ça ton problème. Mon cher mari, je ne te comprends pas du tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu veux que j'arrête mon travail pour que je me contente de ton salaire? Ces petits salaires qui ne nous suffisent même pas pour un mois. Cherche un business à faire. Quelque chose qui te donnera assez de temps pour prendre soin de ta fille. Ou bien trouve un autre travail qui ne prendra pas toute la journée. Nous devons nous comprendre ici. S'il y a une personne qui doit arrêter son travail, c'est toi. Et non moi. Puisque je gagne plus que toi. Quoi? Oui. S'il te plaît, je n'ai pas la tête pour ça ce matin. Pardon. Trouvons un autre moyen de le faire comprendre à Oman. Ou encore lui trouver une bonne. C'est simple. Une domestique. Une autre responsabilité? Est-ce que tu raisonnes quand même? Tu raisonnes quand même? Peux-tu t'écouter toi-même? Trouver une domestique. Réfléchis bien et fais quelque chose à ce sujet. Franchement, c'est toi qui dois être raisonnable. Arrête d'être égoïste. Pourquoi cela être moi? Oma. Bébé Oma, dépêche-toi, tu es déjà en retard. Hé, hey, maman! Oui, bébé. Partons. Ok. Où est ton père? Un papa doit être à l'intérieur. Chérie? Désolé, je suis là maintenant. Papa, bonjour. Mon bébé, comment tu as passé la nuit? C'était très bien. Je suis désolé pour hier. Et je te promets que je viendrai te prendre moi-même à l'école aujourd'hui. Es-tu sûr? Très sûr. Je ne permettrai plus à mon bébé de traverser encore ça. D'accord, papa. D'accord. Bien. Ok, allons-y. Chérie, tu as la clé, n'est-ce pas? Oui, j'en ai. Maman, j'ai le plan de me marier. Mais je veux que les choses soient proprement mises en place avant que je me trouve une femme. Je veux que mon business soit bien installé ici au Nigeria avant que je ne puisse faire tout ça. Ken, ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas du tout une raison. Il y a des hommes mariés qui partent à l'étranger pour les affaires. Mais ils reviennent toujours pour leur famille. Trouve une femme. Et pars avec elle à l'étranger, si c'est réellement ce que tu veux. Cela ne t'empêchera pas de continuer avec les affaires. Je peux aller chez elle. Ou soit elle peut venir ici au village, rester avec moi. À chaque fois que tu seras en déplacement. Si seulement elle n'aime pas rester seule. Ken, trouve-moi une belle fille. J'ai besoin de porter mes petits-enfants dans mes mains. Si tu n'arrives pas à le faire, je vais te trouver une jolie fille avec qui tu vas te marier. C'est bon, ne t'inquiète pas pour ça, maman. Je vais voir ça, s'il te plaît. D'accord. Dans ce cas, fais-le le plus tôt possible. J'ai besoin de tes enfants. M'as-tu entendu? Je le ferai, maman. Tu me permets de m'en régaler? Vas-y, régale-toi. Merci. Régale-toi. Allô?
Oh, les dossiers, je les ai imprimés, monsieur. Oui, j'ai vu ça aussi et je l'ai fait. Maintenant? D'accord, monsieur, je serai là. Oh. Allô, chérie. Ouais, s'il te plaît, peux-tu aller à l'école et prendre Omar? Bébé, s'il te plaît, je ne saurai pas. Je t'ai dit à la maison que ma journée est très chargée. Maintenant que nous parlons, j'ai une réunion très importante. Je ne sais même pas comment m'échapper. C'est moi le secrétaire, je ne peux pas partir de la réunion. Je suis dans l'impossibilité. Bon après-midi, tantine. Bonjour, ma chérie. Comment tu vas? Je vais bien. Qu'est-ce que tu veux acheter? Tantine, je n'achète pas quelque chose.
Mes parents ne sont pas venus chercher à l'école et notre parcelle est encore fermée. Alors je ne supporte pas le soleil. Est-ce que je peux m'asseoir ici pour les attendre? C'est quoi ton nom? Mon nom est Omasili Chukwu. Où se trouve votre maison? Juste là devant. D'accord, tu peux y t'asseoir. Oma. Oma Sili. Ah, le portail est toujours verrouillé. Où serait-elle? Allô chérie. Je ne trouve pas Oma. Je ne sais pas, honnêtement, je suis revenu de son école. Le portier a dit qu'elle a quitté ça fait une heure de temps. Et maintenant, je suis à la maison, je ne la trouve pas et le portail reste toujours verrouillé. Je ne sais pas où vais-je aller la chercher. Tu connais bien la situation de cette ville. Je ne sais pas. Hey! Par où vais-je commencer à chercher cette fille? Oma Siri! Oma! Oma Sili! Oma Sili Chukwu! Oma! Oma Sili Chukwu! Oma Sili!
homme. Seigneur, aide-moi à retrouver cet enfant, je te prie, pardon. Où allons-nous la trouver maintenant? Seigneur, Oma Sili, pardon, aide-moi à retrouver cette fille. Oma Sili Tchoukou. Oma. Oma Sili Tchoukou. Mais où est-elle partie, mon Dieu? Oma. Ouais, frérot, je leur ai dit. Rien de sérieux, ils ont seulement dit qu'ils feraient de leur mieux. Elle s'appelle Oma Sili Tchoukou Benson. Elle a 9 ans. Ouais, elle a le teint noir et elle est mince. Ouais, s'il te plaît, je compte sur toi, je t'en supplie, fais tout ce qui est de ton mieux, ok? D'accord, merci. Seigneur. Que rien de mal n'arrive à ma fille, je te prie pardon. Chérie, calme-nous. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Calme-toi, hein? Dieu ne va pas laisser quelque chose lui arriver, je suis sûr de ça. Qui est là? S'il te plaît, va voir. Hé, hey, mon Dieu. Hé, hey, Seigneur, Oma. Merci. Ma fille, mon enfant. Tu es revenu. Merci. Merci, Seigneur. Viens. Où étais-tu? Bébé, bienvenue. Bonjour, monsieur. Salut. Où est-ce que tu l'as trouvée en train d'errer? Non, elle ne déambulait pas. Elle était venue dans mon shop, elle m'a demandé si elle pouvait rester avec moi le temps d'attendre ses parents. Juste en la regardant, on peut voir combien elle est jolie et bien éduquée. Alors, je n'ai pas hésité, j'ai accepté. Que Dieu te bénisse. Merci. S'il te plaît, tu t'appelles comment? Mon nom est Cynthia. Cynthia. Cynthia, que mon Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Tu sais pas ce que tu as fait énormément. Pour nous. Dieu te bénisse. J'ai cru qu'elle était kidnappée ou quelque chose du genre. Ouais. Nous étions inquiets. Oh, rien de tout ça. C'est une fille très gentille. Dieu. Merci. Cynthia, dis-moi, qu'est-ce que je peux t'offrir? Ouais, une boisson. Ne vous dérangez pas, ça va. Es-tu sûre? Non, pourquoi? Que Dieu te bénisse, Dieu mon bébé. Bénisse. Merci beaucoup. C'est vraiment sûr que papa et maman, vous préférez votre travail que moi. Mais pourquoi m'avez-vous mise au monde? Ne parle pas comme ça. Nous ne préférons pas nos travaux à toi. Nous t'aimons. Non, vous ne m'aimez pas. Le fait est que si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas te donner le genre d'avenir que tu mérites. Ne dis pas ça, mon bébé. S'il te plaît. Mais papa, je veux votre amour et votre attention. Excusez-moi. Oma. Mon ange, reviens. Ah, désolée, ma chère. Où est-ce que tu l'as trouvée?
Comment tu l'as trouvé et qui es-tu? Monsieur, madame, comme je l'ai dit tantôt, mon nom est Cynthia. Je suis arrivée dans cette ville il n'y a pas très longtemps et j'ai possédé une boutique qui n'est pas trop loin de votre ruelle. Ok. Donc c'est là-bas que je vis actuellement, le temps que Dieu puisse me bénir et aller m'installer ailleurs. Amen. 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 Merci beaucoup d'avoir pris soin de notre fille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je dois partir maintenant. Sens-toi libre de passer pour la rendre visite à n'importe quel moment. À tout moment, ok? D'accord, merci. Merci. Bye. Aïe. Dieu merci. Chérie, allons dans la chambre. Aïe. Bébé. Omar refuse de manger sa nourriture. Encore? Oui. Hey. Ça demande beaucoup d'attention. À ce point, nous ne devons pas lui donner une mauvaise impression de nous, comme ses parents. Hey. Que proposes-tu qu'on fasse maintenant? Nous devons trouver pour lui une bonne. Quelqu'un qui prendra soin d'elle. Celle qui l'aidera à bien assimiler ses cours. Essayons d'y penser. Je crois que cela va beaucoup nous aider, chérie. Trouvons d'abord. Une domestique. Oui, bébé. Tu connais les histoires qui tournent autour des domestiques. Comment allons-nous trouver une qui est bonne? Comment? Oui, je sais, mais je ferai de mon mieux pour que nous puissions trouver la bonne. Nous devons aider Omar, s'il te plaît. Ok. Peux-tu me rejoindre à la chambre? D'accord, je te rejoins bientôt. Tu as l'air très inquiet. C'est quoi le problème? Oh! Wow! Est-ce que tu aimes? J'aime ça. Tu sais que j'aime bien de fleurs, non? Merci beaucoup. Et ça sent très bon. Et ça? Bébé. Épouse-moi et fais de moi un homme accompli. Oh. Les moments que j'ai passés avec toi sont les meilleurs qui me soient arrivés. Et je vais passer le restant de ma vie avec la femme que j'aime profondément. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. 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 Es-tu sérieux? Hey! Oh mon Dieu, merci! Hein, mon fils, j'espère qu'elle a un bon cœur et aussi sage. Hein? Hein? Eh oh, hein? Quand est-ce que tu vas la ramener à la maison? Hein? Ok, mon fils, j'attendrai. Tchai! Dieu merci, oh!
you cry, God feels your pain. Wipe your tears, He can. Oh no, devil's devices will never stand, because the God of justice is on the throne. Oh, many are the afflictions of the righteous. From the Lord, you make them to smile again. Oh, Mama chère, qu'est-ce qu'il y a? Tante, je peux te aider avec la lessive? Non, t'y dérange pas, ça va. S'il te plaît, j'aimerais apprendre quelque chose comme nettoyer les vêtements. Ok. D'accord, alors laisse-moi t'apprendre. Après t'avoir montré, tu vas commencer à laver tes habits seule. Jeune fille. Ok, si tu veux apprendre à laver les habits, ce que tu dois faire premièrement, c'est séparer les habits colorés et les habits blancs. Ensuite, tu vas tremper cela dans l'eau et appliquer les savons ou soit te mettre le détergent en poudre. Tu comprends? Ok. Hein? Oui. Et... Alors, quand tu laves une chemise, tu dois te concentrer au niveau du col et aussi les aisselles. C'est de cette façon qu'on procède. Bonjour, maman. Non, non, ma belle fille. Sois la bienvenue. Ken, sois le bienvenu, mon Merci, fils. Merci, maman. Elle doit être Sandra. Mmh, oui, maman. Allez, viens, viens, approche. Oh, ma fille. Merci. J'aime Comment bien vas-tu? Mon fils. On y va à la maman maison. Maman contente de te voir. Merci. Maman. Mon ange. Maman. Oui, bébé. Où est papa? Il est sorti. Ok. Et toi, où étais-tu? Maman, devine quoi? Quoi? Tante ici, tu m'apprends comment est-ce que je dois arranger ma chambre. Es-tu sérieux? Oui. Waouh, c'est très bien. J'espère que tu en profites. Oui, maman. Je l'aime énormément. Elle est très gentille. D'ailleurs, elle est ma meilleure amie. Ah bon? Oui. Ta mère, amie? Qu'en est-il de ta mère? Maman, c'est pourquoi je t'aime. Je t'aime, mon bébé. Moi, je n'ai pas encore là-bas. D'accord. Bonne application. D'accord. Ma précieuse fille. Cynthia, je suis très reconnaissante envers toi. Particulièrement la façon dont tu prends soin de ma fille et de la maison. J'apprécie beaucoup. C'est bon, madame. Vous n'avez pas à me remercier. Je ne fais que mon travail. Ah, ok. Tiens, c'est ton salaire du mois. Ah, merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Ok, y a pas de souci. D'accord. Laisse-moi rentrer à la cuisine. C'est bien, y a pas de souci. C'est bon, c'est moi qui te remercie. Maman, thanks for the food. C'est pas grave. Merci, maman. Non, 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 non. Tu n'as pas à me remercier. Sens-toi à l'aise. Hein? T'inquiète pas. La nourriture sera bientôt prête. Je fais cette nourriture spécialement pour toi. Yeah. Maman, merci beaucoup. J'ai apprécié. Je suis vraiment très heureuse. Merci beaucoup. Alors, maman, comment ça va? Comment se passe toute chose? Tout va bien, mon fils. Oh, je reviens. Laisse-moi aller vérifier ce que je mets sur le feu. Maman est très gentille. Elle m'a très bien accueillie. Ma maman va te gâter. Sûrement. Je suis très contente. Ah ah. 0/10.
1 sur 10. Zéro. Oh. Oh ben, ça c'est quoi? C'est quoi ton problème? Tu n'as pas de bonnes notes à l'école. Pourquoi? Tantine, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Que veux-tu dire par tu ne sais pas? Qu'en est-il des élèves qui réussissent dans ta classe? Tu veux dire qu'ils sont enseignés par d'autres professeurs et utilisent d'autres méthodes? Tantine, je suis désolée. Tu es désolée? C'est tout ce que tu trouves à dire? Sérieux? Cynthia, es-tu sûre de ce que tu viens de dire? Madame, regardez ces notes. J'étais y un Ce n'est pas vrai. J'étais surprise quand j'étais tombée sur ça. Je lui ai demandé la raison de ses échecs, mais elle ne m'a pas répondu. Hey, bébé, notre fille est très intelligente. Très intelligente, bien sûr. Elle a été sélectionnée pour une compétition l'année passée, où elle a représenté toute son école. Et elle avait gagné. Mais comment elle peut changer soudainement? Laisse-moi voir. Je ne comprends pas ça. Ah, ah. Chérie, tu as vu tout ça? Hé! Hey, elle a échoué pour deux mêmes questions qui sont ici. C'est ça. Mais ça ne va pas. Définitivement. Je dois lui parler. Fais-le, s'il te plaît. Hé! Hey. Chérie, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas Oma, non. Je ne reviens pas. Moi. Oma, je ne te crie pas déçu. Je veux juste que tu me dises pourquoi tes résultats scolaires sont devenus récemment si pauvres. Arrête de pleurer, dis-moi ce qui se passe. Hein? Papa, franchement, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais rien. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ce qu'on vous enseigne ou bien tu es toujours absente d'esprit chaque fois que vous êtes en classe. Lequel? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah, ça va. Viens. Quoi qu'il en soit, papa est là pour t'aider. Et je sais que tu vas encore reprendre. Hmm? Et sur tes larmes, maintenant souris pour papa. Voilà ma fille. Maintenant va à l'intérieur, je te rejoindrai. Ok. Seigneur, je te remercie pour cette journée magnifique. Si nous sommes arrivés en ce moment, Seigneur, c'est par ta grâce. Abba, Père, tu es un Dieu miséricordieux. Nous te demandons d'effacer et de pardonner tous nos péchés. Pardonne tout ce que nous avons fait de mal au courant de la journée. Amen. Abba, Père, le Seigneur de gloire, nous voilà sur le point de nous coucher. Nous te demandons, Seigneur, d'envoyer tes anges qu'ils viennent veiller sur nous, qu'ils viennent nous protéger, pour que le mal ne puisse pas nous atteindre au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus puisse couvrir nos corps et nos âmes. Sang de Jésus. Que le sang de Jésus protège. Sang de Jésus. Le Seigneur de gloire, que ton nom soit exalté au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, le bonheur, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec nous maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Chérie. Qu'est-ce qu'elle a comme souci? Elle t'a dit quoi? Elle n'a vraiment rien dit. Elle ne faisait que pleurer. Qu'est-ce que nous allons faire? Je pense que je dois aller à son école et dire à son enseignant de bien la surveiller. Et je pense que je dois aussi employer un tuteur privé. Ok, c'est bon.
Allons au lit. D'accord, bébé. Ouais, qui est là? Oh, regardez cet homme. Waouh. Mec, c'est comment? Je vais bien, ça fait vraiment longtemps. Comment tu vas? Oui, tout oh, va bien. Oh, bienvenue, bienvenue, merci. Jeune dame. Comment tu vas? Mettez-vous à l'aise. Oui, chérie, C'est comment? Tu bouffes ton argent tout seul. Tu fais bouger les choses à l'ancy et là, partout dans le pays. Toi. Waouh. Bébé. Oui, chérie. Voici Ben, ma meilleure amie. De longue date. Il est vraiment comme un frère. Ravie de vous rencontrer, monsieur. C'est mon plaisir. Bienvenue. Et Ben, lui, c'est ma chérie et ma future femme. Hey! Quelle bonne chose! Waouh! Oh. Quelle bonne nouvelle! Félicitations, Dar. Merci beaucoup, mon frère. Non, 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 on va pas juste le faire comme ça. Ça fait l'objet de célébration. Nous allons faire éclater un champagne. Ça faisait longtemps. Poursuit. Ma femme est à l'hôpital. Oh, monsieur, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas, on m'a appelé disant qu'elle est tombée dans son bureau et on l'a précipitée à l'hôpital. S'il te plaît, je veux que tu chauffes de l'eau que je vais lui apporter à l'hôpital. C'est très important. D'accord. Très vite, s'il te plaît. Cynthia, s'il te plaît, ne le dis pas à ma fille, je t'en supplie. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Dieu, s'il te plaît, ne laisse rien arriver à ma femme, je t'en supplie, Dieu, s'il te plaît. Oh. Vite, Cynthia, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as? Jésus! Oh ben! Hé, monsieur! Monsieur, allez, s'il vous plaît, monsieur, venez vite! Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Jésus-Christ! Oma! Qu'est-ce que tu as, Oma? Hé! Hey! Infirmière, s'il vous plaît, dites-moi là où je vais l'amener, s'il vous plaît. Infirmière. Oui, docteur. Prends soin d'elle. Ok. Une fois que la dame qui était ici venait, fais-moi signe. Docteur, il y a une urgence. Nous avons une urgence.
Docteur, comment va-t-elle? Calmez-vous, calmez-vous. Il n'y a aucune raison de pouvoir paniquer car la situation est sous contrôle. Dieu merci. Dieu merci. Maintenant, vous devez aller lui chercher à manger parce que très bientôt, elle sortira déjà de la salle d'urgence. Oh, vraiment? Oui, ça ira. Ok. S'il te plaît, va à la maison et ferme partout. Fais de la nourriture et apporte, ok? Souviens-toi, quelque chose de léger. D'accord, monsieur. Ok, vas-y, vas-y. Ne perds pas le temps, oh. Oui, monsieur. Vas-y, vite, vite. Oui. Non, mais je n'arrive plus à comprendre ceci. Mais est-ce que tu peux essayer de m'expliquer? Mais pourquoi est-ce que les choses se sont passées comme ça? Docteur, il y a une urgence. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Jeune homme, est-ce que tu peux te calmer? J'étais ici à un moment et je savais très bien qu'il n'y avait absolument rien de mal. Je suis confus comme tu l'es. Docteur, vous êtes confus? Vous êtes confus, quoi voulez-vous que je fasse? Non, docteur, vous êtes confus, quoi voulez-vous que je fasse? Essaye un peu de te calmer, calme-toi. Maintenant là, nous sommes en train de chercher à trouver une solution. Hey! Je suis en train d'essayer de faire de mon mieux. Je suis pas en train de trouver cette situation telle que je l'avais laissée. Hey! Tu dois te calmer. Quel est ce genre de situation? Oh Dieu! Hey! Thank you.
msije uambia robo wariri. Uambia robo wakwa. Agama kosa ronya kukuwa muo. Agame besa ronya kuwa muo. Docteur, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué et confus. Ça fait des jours qu'elles sont ici. Il n'y a aucune amélioration. Elles demeurent toujours inconscientes. Comment vais-je appeler ça, pardon? Monsieur Ben, j'exerce cette profession il y a des années. Et depuis que j'ai commencé ma carrière, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. J'ai fait tout ce que je pouvais pour remédier à cette situation. Mais je n'ai absolument rien vu de positif. Mais tu n'as pas à t'en faire. Tu n'as pas à t'en faire. Je suis encore en train d'y travailler et je crois qu'il y a quelque chose de bien qui arrivera. Même vous, docteur? Calme-toi, il n'y a aucune raison de paniquer. Excusez-moi. Attends, je ne le comprends pas. Parlez-moi de la manière dont je comprendrai. Est-ce à dire que ça vous dépasse ou bien vous ne savez pas ce que vous faites dans cet hôpital ou bien... Je ne sais pas. Dites-moi ce que je peux comprendre. Honnêtement, je suis confuse. Vous aussi? Je n'ai jamais expérimenté ce genre de maladie. Hey! Oh, Kansije. Dieu, dans cette situation, c'est toi seul qui peux m'aider, s'il te plaît. Comment? Au nom tout-puissant de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur Dieu tout-puissant, c'est toi qui nous as créés. Purifiés et lavés par ton sang. Créés à ton image et à ta ressemblance. Tu as dit dans ta parole que c'est ta volonté que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions à tous égards. Oui, Seigneur. La maladie, ce corps mortel, n'est pas une habitation de la maladie. Et je te donne l'ordre, au nom de Jésus-Christ, de quitter cet endroit. Amen. La parole de Dieu dit qu'absolument tout est possible à celui-là même qui croit. Et la même Bible déclare que tout ce qui est révélé sur la terre est révélé dans les cieux. Amen. Et tout ce qui est condamné dans les cieux est révélé sur la terre. Amen. Alors toi, maladie, nous te condamnons aujourd'hui même et au nom de Jésus-Christ, perds ton pouvoir. Amen. Perds ton pouvoir. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Perds ton pouvoir. Ezunta sakera, randembaraba, kunte sentera, et te kunte severe. Retourne d'où tu viens. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Sache que, puisque l'Esprit des dieux s'est décidé de se montrer dans ta famille, tout va rentrer dans l'ordre. Oh oui. Quand la présence de Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs apparaît, absolument tout s'arrête.
La Bible dit que quand le parfait apparaît, l'imparfait disparaît. Ne t'en fais plus, mon frère. Tout ira très bien, très bientôt. N'oublie surtout pas de continuer de prier pour elle. Merci, pasteur, merci. Il n'y a pas de quoi. Salut, chérie. Comment vas-tu? Je veux bien. Bébé, apparemment, ça ne va pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est juste un petit problème dans mes affaires. Tout ira bien. Tout ira bien. Mais c'est quoi ces petits problèmes de business? Ne peux-tu pas me le dire? Le partenaire d'affaires qui était supposé faire un dépôt dans mon compte depuis hier. Jusque-là, il n'a pas encore fait. Et son téléphone ne passe même pas. J'ai rappelé plusieurs fois, mais ça ne passe pas. Vous connaissez il y a déjà combien de temps avec ce partenaire? Ça fait des années maintenant. Et il n'a jamais fait ça auparavant. Tu n'as pas alors à t'inquiéter, non? Peut-être que son téléphone a un problème et ça va bientôt se régler, n'est-ce pas? T'inquiète, chérie. Ok. S'il te plaît. Laisse-moi te faire un truc à manger. C'est bon. C'est bon. Mon amour, merci beaucoup. Mais que s'est-il passé? J'ai jamais vu une chose pareille dans ma vie. Toi, Oma et Cynthia fîtes une chute le même jour. Et on vous a précipité vous trois ici. Et depuis là, vous étiez inconsciente pendant des jours. Le même jour? Même jour. C'était quoi la cause? Je ne sais pas. À un point donné, le docteur même était devenu confus. Parce qu'il ne pouvait rien diagnostiquer. Le pasteur a dit que c'était spirituel. Je n'ai jamais vécu une telle chose. C'est très étrange. Étrange réellement. Mais je suis content que le Seigneur a pris contrôle. Amen. Amen. Ah, docteur. Monsieur Platini. Bienvenue, docteur. Merci. Félicitations à vous. Et ces deux sont médicalement en bonne santé. Ah, Dieu merci. Merci, docteur. Ce qui signifie, vous serez libéré aujourd'hui. Oh, oh donc ça veut dire qu'on peut rentrer aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr. Oh. Merci beaucoup, docteur. C'est bien. Vous passerez me voir au bureau avant de rentrer. Ok, je viens tout de suite. Merci. Écoutez, on va rentrer aujourd'hui, donc apprêtez-vous, je vais vous emmener à la maison. Bonjour. Salut. Jude. Oui. Comment tu vas? Je vais bien, madame. Au fait, c'est le patron qui m'a demandé de vous remettre cette lettre. Oh, merci. D'accord, beaucoup. Je vous en prie. Je dois partir maintenant. C'est très gentil. Il n'y a pas de quoi. Aïe. Qu'y a-t-il, chérie? J'ai été virée. Quoi? J'ai été licenciée. Comment? Pourquoi? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Oh, Dieu.
Seigneur. Pourquoi tout ça se passe? Oh Dieu, pourquoi tout ça se passe? Ce n'est pas vrai, non. Hey! Hey! Qu'est-ce que tu as fait? Comment? Je ne comprends pas, chérie. Je n'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Hey! Ça va. Bon après-midi. Bébé. Merci. Oh. Je sais pas pourquoi. Non, il n'y a pas de quoi. Merci de m'avoir rendue fière. C'est bon, ma chérie. Alors, venez toutes les deux. Je t'aime, maman. Maman, merci énormément. Je t'en prie, ma fille. Je suis très contente. Oh. Ma fille. Maman. Maintenant que la dot a déjà été versée, dans notre culture, toute femme qu'on a déjà donné sa dot ne peut pas coucher avec un autre homme. Hein? Elle est déjà mariée. Elle n'a plus le droit d'aller par-ci, par-là. Tu m'as entendu? Si tu fais cela, tu verras les conséquences. Est-ce que tu me comprends? Je ne blague pas. J'ai fait ma part. Attends que belle-mère. Maman, ne dites pas ça. Je ne tricherai jamais mon mari. D'accord. Je n'aurai aucune raison à le faire. Mon fils, viens me montrer ma chambre. Je dois aller me reposer. Je dois dormir maintenant pour me réveiller de bonne heure demain et rentrer au village. Tu sais que j'ai des chèvres. Si je suis ici, personne ne va les nourrir. Hein? Je dois faire vite et rentrer chez moi. Aller m'occuper de mes affaires. Je vais te montrer ta chambre. Hey! Et moi? Bébé, qu'est-ce qui se passe? Je suis fini. Mon monde s'est écroulé. Comment, chérie? Comment? 1 500 000 manquent dans mes rapports dans le compte de l'entreprise. Et ils m'accusent d'avoir fraudé l'entreprise. Jésus-Christ! Pourquoi cette accusation? Mais pourquoi? Je ne sais pas. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant des années. J'ai été leur gestionnaire de compte pendant des années. Une telle chose ne s'est jamais produite. Alors je ne sais pas pourquoi ils m'accuseraient d'avoir fraudé l'entreprise à ce point. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Pourquoi ces moments? Pourquoi? Pourquoi? Ça va aller, bébé. Chérie, ça va aller. Osane me, aneche koka noma, onaka wanye jo. Choux, mon frère, ça devient incontrôlable. Ma situation s'empire au jour le jour. Je ne comprends plus ce qui est en train de m'arriver. Sais-tu que ma fille ne va plus à l'école? Et ce qui est plus étonnant est qu'elle n'est plus intelligente comme elle était. Tout ne fait que changer. Je ne peux plus payer le loyer, je suis sur le point de perdre cet appartement et bientôt nous allons déménager. Je te dis, je ne sais pas ce qui se passe, je suis fatigué et désemparé.
Hey. Je sens ta douleur, mon frère. Et je partage vraiment ta douleur. Il y aura une fois que tout ça changera. Parfois, ce qui fait en sorte qu'un homme soit continuellement en train de sortir, en train d'espérer, croyant que demain sera meilleur. Et tel que tu peux le constater, j'ai vraiment besoin de t'aider. J'ai vraiment besoin de t'aider, mais je n'ai absolument rien à faire présentement. Si ce n'est que t'encourager, de continuer à croire en Dieu, espérant que demain les choses changeront. Hey. Ok, merci, je l'espère aussi. Les choses changeront, crois toujours, ok? Est-ce que je peux t'ouvrir une bouteille de vin pour nous détendre? Non. Chouk, c'est pas mon problème maintenant. Je ne suis pas du même pour boire. Chouk, tu sais pas ce que tu travailles. Je ne suis pas du même pour boire, s'il te plaît. Baby, j'étais tellement surprise. Elle me dit qu'elle comprend. Oh. Elle dit qu'elle peut rester travailler. Dès qu'on a l'argent, on peut le payer. Ah, c'est si gentil de sa part. Je t'ai dit, elle est très particulière. Réellement? Mais bébé, ne penses-tu pas qu'on la laisse partir? Dis-moi, c'est pour recommencer ses affaires et gagner de l'argent. Étant donné qu'on n'arrive plus à la payer maintenant, il n'est plus nécessaire de la garder ici et accumuler des factures. Le mieux est de la laisser partir et quand on aura l'argent, on l'appellera et la payera. Oui, je crois que tu as raison. Ouais. Oui, tu as raison. Vous m'avez appelé. Ouais, Cynthia, assieds-toi, s'il te plaît. Je t'ai appelé pour une information très importante. Il n'est pas nouveau que les choses ne sont plus roses pour nous ces derniers temps. Tu es témoin du fait que les choses sont allées du mal en pire, au point que nous arrivons à peine à nous nourrir ces moments. Je sais très bien que nous te devons pour quelques mois. Et ma femme m'a dit ce dont vous avez discuté vous deux à ce sujet. Mais je veux que tu t'en ailles. Je veux que tu retournes à tes affaires ou à quelque chose qui puisse te donner de l'argent. Je ne veux pas que nous te gardions ici et continuions à accumuler des dettes, s'il te plaît. Je promets que dès que les choses changent, je viendrai te chercher et te payer tout ce que nous te devons. Je suis tellement désolé. Non, monsieur. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur, s'il vous plaît. J'ai pas envie de partir. Non. Si c'est au sujet de l'argent que vous me devez, vous pouvez oublier. Oublier. J'ai plus envie de ça l'heure. Vous êtes des gens bien. J'aimerais rester avec vous et vous aider du mieux que je pourrais, s'il vous plaît. Si je pars maintenant, comment est-ce qu'Oma va se sentir? J'aimerais rester avec vous, monsieur, et vous aider du mieux que je pourrais dans ce que vous traversez. Que serait le sens même de la vie si nous n'arrivons pas à nous entraider? S'il vous plaît, monsieur, permettez-moi de rester, j'ai pas envie de partir. Oma. Tantine. Comment vas-tu te sentir si tu te réveilles un jour dans cette maison et tu ne me trouves pas? Tantine, je ne comprends pas. Tu veux voyager? Non, je ne voyage pas. Je veux juste savoir comment tu vas te sentir. Si tu veux voyager, je voyagerai avec toi. Si tu pars chez vous, j'irai aussi avec toi. Écoute, Tantine Cydia, laisse-moi te dire quelque chose.
Tu sais que lorsque mes parents vont reprendre leur travail, ils vont encore commencer à m'abandonner. Et je ne veux pas que ces choses m'arrivent encore. Oh. Viens. Allez, t'inquiète pas, ok? Je n'irai nulle part. Promis. Maman. Ojo kwango no. Hé. Maman. Maman. Hé, ma petite fille. Maman. Hé. Maman. Hé, bonjour. Prends place. Vous êtes venue avec la moto? Oui. Oui, maman. Maman, aide-nous à faire entrer ces histoires dans la maison. Vous m'avez fait une telle surprise. Maman, les choses ne sont pas faciles. Pas du tout. Ogini. Nous avons perdu tout ce que nous avions. Nous n'avons plus rien. La seule chose que j'ai maintenant dans ce monde, c'est ma voiture. Mais qui est chez le mécanicien à l'heure où nous parlons? Tous nos efforts pour rebondir, tous les efforts que nous avons faits pour aller de l'avant ne font que nous ramener en arrière. Je ne sais pas comment appeler ce genre de vie. J'ai fait de mon mieux, ne sachant plus quoi faire, j'ai décidé de ramener ma famille pour venir rester chez toi pour un moment au village. Et moi, je retourne en ville pour me débrouiller. Je crois qu'avec le temps, je me stabiliserai et je reviendrai pour les prendre. On n'a même pas l'argent pour se nourrir jusqu'à parler du paiement de loyer. C'est ce genre de situation que vous vivez. Et c'est ça mon histoire. Simon, qu'est-ce qui se passe? Dieu, ne vois-tu pas? Hein? Vous avez tout perdu. Toutes choses. Oh! Ok. Je sais que Dieu est là pour nous. Et il nous sera favorable. Sans attendre, tout redeviendra normal. Amen. Nous avons juste besoin de rester soudés dans la prière, dans la foi, dans le travail et en train de nous encourager. Dieu fera de grandes choses, certainement. Vous allez récupérer toutes ces choses par sa grâce. Vous avez bien fait de revenir vers moi. Tout ira bien. Tout ira bien. Maman, tu as cuisiné? Vraiment? Hé! Qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Il n'en reste que deux. Il ne me reste que deux, oh. Deux. Ici, n'est-ce pas? Oui. Ok. Est-ce que je peux avoir ton numéro pour t'appeler une fois fini? Ok, 080-2454-1426. D'accord, s'il vous plaît, appelez-moi quand vous aurez fini. Je suis toujours là, je viendrai vous prendre. D'accord, je vais t'appeler. Madame. Bye bye. Sandra, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il t'arrive comme ça? C'est toi qui me dérange. Tu n'es pas si gentil. Tu es très méchant. Tu ne me donnes pas l'argent que tu avais demandé? Hein?
Mais tu es au courant de la situation financière que je traverse. Finan quoi? Si j'avais l'argent, je t'aurais déjà donné il y a très longtemps. Tu me racontes toujours des histoires. Tu n'es qu'un flatteur. Es-tu la seule personne qui a des problèmes financiers? Hein, es-tu? Donne-moi l'argent si tu veux partir, oh. Sinon, tu ne bougeras pas d'ici. Mais je t'ai déjà tout expliqué, n'est-ce pas? Tu veux expliquer quoi? N'as-tu pas des amis? Emprunte chez eux, non? Emprunte! Ou bien tu vends quelque chose que tu as ici? S'il te plaît, laisse-moi partir, s'il te plaît. Donne-moi cet argent, oh. S'il te plaît, donne-moi cet argent, sinon ça ne marchera pas avec moi. S'il te plaît, laisse-moi partir, je te le donnerai, mais donne-moi l'argent. J'en veux maintenant. Donne-le-moi, je te dis, sinon tu ne partiras pas. Allô, Cynthia? Qu'y a-t-il encore? Qu'y a-t-il encore? Qu'y a-t-il encore cette fois-ci? Quoi? Les deux? Oh Dieu! Oh, ok, j'arrive tout de suite, ok? Madame! Madame, voici ton argent! Hey, Dieu! Mais qu'est-ce qu'on fait? Elles sont tous allongées par terre. Mon Dieu. Elles ne bougent même pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, ne laisse pas ma belle-fille mourir. Mon Dieu. Que mes ennemis soient couverts de honte. Qu'ils soient confus, Seigneur. Hey. J'ai pris pour que le patron puisse revenir si tôt. On doit les conduire à l'hôpital avant que la situation ne soit pire. Je n'ai pas d'argent. Oh, si j'avais l'argent, je les amènerais à l'hôpital. Hein? Hé hey, maman, tu sais quoi? Laisse-moi aller chercher des amis. Peut-être qu'ils vont me donner quelque chose et les conduire à l'hôpital. C'est vrai? Oui. Hein? Hé, hey, il est là. Hey. Qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue, Némo, monsieur. Je ne comprends rien. Oh. Oma, chérie. Elles sont Oma. Juste tombées. Hé hey. Hey, leur avons donné un médicament. Franc, je n'ai même pas un franc sur moi. Oh, je n'ai rien du tout. Ok, j'arrive. Mais pourquoi tu ne dis pas à ton oga que tu veux aller prendre un peu d'argent chez ton ami? Maman, je connais très bien mon patron. Si je lui dis, il ne me le permettra pas. Je ne serai pas long, j'arrive. Ok, ok, cours, 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 dépêche-toi. Dépêche-toi, oh, dépêche-toi. Oma! Hé! Hey. Tu m'avais promis de m'emmener à Dubaï, mais tu m'avais déçu. En utilisant ton problème de business comme excuse. Juste le mois passé, tu m'avais promis de m'emmener à Paris pour les shopping. Et tu m'avais encore déçu. Pour qui me prends-tu? Pour un enfant? Tu penses que je suis stupide? Hein, dis-moi un peu. Écoute, si je ne me donne pas cet argent, rien ne se passera dans cette maison. Lai, tu m'as très bien compris. Thank you.
bébé, calme-toi. Merci énormément. Tu cherches le code contact? Maintenant, tu as bien réfléchi, non? Pourquoi tu as pris tout ce temps? Hein? Si tu m'avais donné depuis tout ce temps, on n'allait pas arriver jusqu'à ce niveau. Désolée si j'étais très dure avec toi. Je suis désolée. Les clés de ma voiture. Notre clé de contact, je veux dire. Oui, nos clés de contact. Bébé, tu sais que je t'aime. Hein? Tu sais que je t'aime énormément. Merci beaucoup. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Ouais. Il faut merci. Que je parte. Prends très bien soin de toi. Et conduis tout doucement. J'ai gagné. Regarde-les. As-tu apporté les médicaments? Qu'est-ce qu'on va faire? Chérie, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Chérie, s'il te plaît, réveille-toi. Appelle-lui par son nom. Elle pourra te répondre. Arrête. Ne dis pas chérie. Stéphanie. Docteur. C'est quoi ce qu'il met sur le cœur? C'est comme ça qu'ils font leur travail. Docteur, vas-y doucement. Maman, c'est ça leur travail. Docteur. Docteur, qu'est-ce que c'est? Organi. C'est... Hein? Ouais. Es-tu sûr qu'elles vont aller mieux? Non, mais calmez-vous, ok? Juste après le traitement, je pense que son corps va revenir à la normale et puis tout sera mieux. Elle va manger. Mais elle mangeait quand même avant de tomber haut. Elle mangera encore. Mais il n'y a rien qui entre dans leur corps, non? Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'arrive. Laissez-moi apporter le seringue. Canne quoi? Oui, j'arrive. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Allez-vous laisser ça ici comme ça? C'est le genre de docteur que tu as amené ici. N'est-ce pas le genre de docteur que nous avons dans ce village? Cynthia est allée se débrouiller. Où est-ce qu'elle allait maintenant? Elle dit qu'elle est allée emprunter de l'argent chez son ami. Maman, tu as laissé Cynthia aller commander de l'argent auprès de son ami. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi dans ce village? C'est parce que tu n'as pas l'argent, sinon elle ne serait pas en train de se démener pour chercher l'argent. Tu es fauché. Tu n'as même pas un franc dans ta poche. Dans tout le village, c'est maintenant que je n'ai plus d'argent. Vraiment, c'est ce que tu me demandes. Tout le village, c'est maintenant que je n'ai plus d'argent. Mais qu'allons-nous faire puisqu'il n'y a pas l'argent? Tu n'as rien. Espérons qu'elle revienne ici avec ne fût-ce qu'un petit rien. Mais sais-tu pas que c'est parce que j'ai investi l'argent? Elles ne mourront pas. Dieu au contrôle. Elles ne mourront pas. Connais-tu le retour sur l'investissement? Connais-tu le retour sur l'investissement que j'attendais avant que tu n'aies pas réussi? S'il vous plaît, je voudrais voir Pasteur Pierre. Docteur Peter? Ouais. Oh non, il a été transféré ailleurs. Transféré? Oui. Aïe. Oh Dieu. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, ne vous inquiétez pas. Oh, ok. Merci. L'avenue Ouma, s'il vous plaît. Le croissant Oumuafia. Ok, montez.
Nous sommes arrivés. Oga, j'espère que vous avez les papiers de cette voiture. Les papiers de cette voiture, c'est quel genre de question ça? J'ai dit j'espère que vous avez les documents de cette bagnole. J'ai pas compris, qu'est-ce que tu as à foutre avec les papiers de ma voiture? S'il te plaît, paie-moi, il fait très chaud, je dois partir. Jésus! Hein? Sors de la voiture. Descends. Ibetu kwano galara. Ibetu kwano galara. Oga de chama. Ibetu kwano galara. Ibetu giara. Oga de chama. Ibetu kwano galara. Ibetu kwano. Lying in the hearts of men, betrayal and bloodshed, hatred and pain. But the Lord is merciful and just the same. Oh no, devil's devices will never stand, because the God of justice is on the throne. Oh, many are the afflictions of the righteous. Manger quelque chose, non, s'il te plaît. Comment vont-elles? Nourris ta femme, elle refuse de manger. Ah, chérie, qu'y a-t-il? Tu dois manger, hein? Whenever you cry, God feels your pain. Wipe your tears, he can. Maman, quel est ce genre de vie? Maman, je suis fatiguée. Je suis fatigué de toute la situation. Je ne sais plus quoi faire. Plus j'essaie de faire quelque chose pour améliorer notre situation, pire ça devient. Tout ne fait que s'effondrer. Je ne peux même pas m'accrocher à quoi que ce soit. Je ne sais plus quoi faire. Maman, sais-tu que juste cet après-midi, avant que je n'arrive ici, ma voiture a été volée par un voleur armé. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, Seigneur, tu crois bien. Aie pitié de nous, Seigneur. En quoi t'avons-nous offensé, Seigneur? Qu'avons-nous fait pour mériter tout ce malheur? Nous te prions de nous pardonner. Tu es juste et miséricordieux. Aie pitié de nous. Ne nous délaisse pas, Seigneur, nous n'avons pas d'autre que toi. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas. On ne peut pas continuer comme ça, Seigneur. Hein? Seigneur, viens à notre secours, viens à notre secours. Richard. Au père. Tu disais quelque chose au téléphone. Oui, mon père. Il y a quelque chose qui était en train de me déranger et je m'étais décidé de venir vous en parler. Mon père, je veux me lancer dans les affaires de vêtements.
Et mon père, je veux à ce que vous puissiez prier pour moi et demander à Dieu si ce business marchera. Tu as fait la bonne chose. Merci, mon père. C'est pas sage d'entreprendre une affaire juste parce que tu vois que les autres la font et réussissent. Et c'est toujours sage de connaître la volonté de Dieu avant d'entreprendre une affaire. Oui, mon père. Donc, je vais prier là-dessus et te revenir. Merci, père. De rien. Père, je dois déjà vous laisser. Je sais que tu aimes la soupe au bonhomme. Oui. Mais maman, moi j'ai envie de manger le pépé soupe. De quelle soupe parles-tu? Tu prends le temps de te faire belle et tu veux me commander pour ma soupe? Tu aurais d'aller à la cuisine pour faire cette soupe, non? Maman, t'occupe pas d'elle. Cette fille, elle est toujours comme ça. Regarde-moi cet enfant. Tu veux le manger toute seule? Ne penses-tu pas à ta mère et ton père? Attends, nous allons tirer un sort. Attends un peu. On verra qui gagnera entre les deux. Qui gagnera? On verra entre les deux qui a droit à la soupe. T'es contente? Dans ce cas, je mettrai beaucoup de piment. On verra où tu vas manger. Hey, Cynthia. Merci. Hey, allez, tu veux pas un câlin, Cynthia? Lève-toi. Bienvenue, Cynthia. Je vais bien. Cynthia, bienvenue. Tantine. Oui, ma chérie. Je suis très contente de vous trouver comme ça. Comment était le voyage? Très bien, maman. Ah. Oui. Maman, en tout cas, merci beaucoup. Tu as vraiment bien pris soin d'elle. Grâce à Dieu, c'est lui qui m'a donné la force de supporter ses caprices. C'est Cynthia, bien. Viens manger avec moi. J'avais acheté quelque chose à mon chemin de retour. Merci beaucoup. Monsieur. Papa, bienvenue. Ma chère, comment tu vas? Est-ce que je peux manger? Je vais à l'intérieur pour me reposer un peu. Je vous ai apporté ça. Oh, merci beaucoup. C'est très succulente. Je ne te donne pas eau. Tu vas rater. Maman, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Merci, avec Cynthia. Ça. Merci beaucoup. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée. Désolée de ne pas vous informer de mon départ. Ça va, j'ai compris. J'ai réussi à récupérer un peu d'argent auprès de mes amis. C'est ça, 30 000 nerfs, monsieur. Cynthia. Une personne si gentille. Je ne sais pas comment te remercier, mais seul Dieu aux cieux te bénira et te lui rendra. Merci, monsieur. Merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur, je dois aller aider maman à la cuisine. Ok. Maman Dazi, qu'est-ce que tu me racontes? Es-tu sérieuse? Non, c'est comme je t'ai dit. Ils sont revenus il y a quelques semaines passées. Ils sont revenus vers moi en débandade. D'ailleurs, ma petite fille et ma belle-fille sont malades. Ça fait déjà beaucoup de temps maintenant. Nous ne savons ce qui se passe. Nous prions juste à Dieu de prendre le contrôle de toutes choses. Ma chère amie, je t'ai dit. Hey, je n'arrive toujours pas à y croire. Donc tout ceci s'est passé chez toi et tu n'as pas jugé bon de m'informer. Pourquoi ça? Ma sœur, ne me blâme pas. Cette situation me dépasse. Je ne saisis rien du tout. Je suis tellement confuse. Nous laissons tout entre les mains de Dieu. J'étais dans le perdument total. Dis-moi, comment va ton fils avec sa femme? Je pense qu'ils vont bien. Comment tu peux dire ça? Ça veut dire quoi? C'est parce que ça fait un temps qu'ils ne viennent pas me voir et ils ne m'appellent pas. Je m'inquiète, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Je ne comprends vraiment pas. Ah, tu sais que ton fils est un businessman. Il est tout le temps dans des voyages d'affaires. Certainement, il est occupé, mais je crois qu'il va t'appeler bientôt. C'est ça ma prière. C'est ça ma prière, ma sœur. Ah, t'inquiète. Que Dieu nous aide. Dieu au contrôle, ma sœur. Sois apaisée. Ça ira. Oui. Certainement. Ça ira. D'accord. Prends soin de toi, ma sœur. Bye, oh. Kenneth Wabondo,
Tu as encore commencé, oh. Tu veux que je sois présentée comme une mauvaise femme. Que je ne suis pas une bonne femme là-bas dehors. Et je ne veux pas du tout de ça. Parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que je souffre dans tes mains. Tu m'avais promis que ça sera ce matin. Mais je suis là. Donne-moi cet argent, non? Oui, je sais que je te promets. Mais je ne peux plus le faire. Mais tu sais que j'ai traversé beaucoup de choses ces derniers mois. Hein? Pourquoi tu ne comprends pas? Je n'ai pas d'argent. Je te donnerai l'argent une fois que j'en ai. Mais pour l'instant... Ah, s'il te plaît, arrête tes bêtises. Tu mens. Que j'attende jusqu'à ce que Dieu va revenir pour que tu me donnes cet argent. Là et là, ça ne marchera pas. Toutes mes amies ont déjà payé cet argent. Il ne reste que moi. Même ma mère qui avait perdu son mari il y a de cela 2 ans. Elle a payé, même Anamaya. Mais moi, pas encore. Donne-moi cet argent, non? Écoute, Kenneth, je te donne jusque la journée de demain. Si tu ne me payes pas cet argent, tu n'auras pas de paix dans cette maison. Tu m'as très bien compris. Fais ce que je t'ai demandé. T'es quel genre d'homme, et toi? C'est comme si je suis une veuve. Tu manqueras de paix dans cette maison. Maman, tu es une bonne cuisinière. Je crois que tu sais bien faire la cuisine. Puisqu'une femme qui a une bonne main gardera son mari à son contrôle. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit que le cœur d'un homme est dans son estomac. C'est vrai? Oui. Donc il suffit seulement que tu saches faire la cuisine? Je peux goûter. C'est délicieux, maman. Ça serait un avantage pour toi si tu sais bien faire la cuisine. Laisse-moi profiter de te remercier. Vraiment, que Dieu te bénisse pour moi. Tu es une bénédiction. Amen. C'est bon, maman. Oh, me remets-moi ma cuillère, non? Maman, tu sais faire la cuisine. Mais quoi donc? Je suis de la vieille école. Maintenant qu'on a fini de faire la soupe de Ogo, c'est le temps de faire le foufou avec lequel nous... Nous allons le manger. Notre casserole. Dépêche-toi. D'accord, maman. Rassurez-vous de bien manger aujourd'hui. Personne. Cynthia, dépêche-toi, je viens t'occuper de Oma, s'il te plaît. Oma, c'est très bon. Oma, oh, ton favori. Hey, voyez-moi cette paresseuse. Allez, Oma. Bébé, c'est ton repas favori. Lève-toi, Oma. Allez, je ne vais pas te faire manger. Lève-toi. Hey. Oma. Hein? Quel caprice. Lève-toi. Oma. Oma. Oma, c'est ton repas favori. C'est ta préférée. Hein? Oma. Plantain. Oma. Qu'est-ce qui se passe? Maman, elle ne se réveille pas. Elle ne bouge pas. Bébé, mon bébé. Elle fait le gare. Bébé. Elle va être bercée. Bercée-la. Elle ne réagit pas. Ce n'est plus amusant. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quel genre de plaisanterie ça? Elle ne respire Oma, plus. Mon bébé ne respire plus. Oma. Oma. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Maman. Elle ne respire plus. Elle fait aucun mouvement. Maman. Oma. Maman. Oma. Maman. Oma. Maman. Maman. Oma. C'est quoi ce genre de pagaille? Oma Silly. Maman. Maman. Il a quoi? Maman. Maman. On dirait qu'elle ne respire plus. Allons avec elle à l'hôpital. À l'hôpital. Allons à l'hôpital. Oma. Oma. Mon bébé. Mon Dieu. Mon bébé. Oh Dieu. Oma. Oma. Attendez-moi. Oh, attendez-moi. Maman. Maman. Maman.
tembere maya di ba ewo obi abawa mo wan ewo oma Oma, ma fille, Oma, Oma, pourquoi tu as fait ça, maman? Oma, Oma. Ma fille, Oma, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as fait ça, maman? Oma, Oma, Oma. Oma, tu es partie, tu as laissé maman, Oma. Oma. Chouka Massili. Chouka Massili. Oma. 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 Seigneur, c'est fini. Arrête de pleurer. Sois courageuse. Oma, laissez-moi, oh, laissez-moi, ma fille est partie, laissez-moi, oh, ma fille est partie, oh, je ne la verrai plus, oh, laissez-moi, ma fille est partie, je ne la verrai plus, ma fille est partie, mon Dieu, Seigneur, Seigneur, oh, viens à mon secours, mon unique fille, oh, s'il te plaît, sors, Seigneur, Oma, Oma, la fille à maman. Hey. Oma, 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 tu as laissé maman. Mon mari, notre fille est partie. Hey. J'aurai encore une autre fille. Oh. Oma, oh. Pourquoi tu as fait ça à maman? Oma, oh. Oma, 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 Seigneur Jésus. Oma. Frérot, je ne savais pas que les choses étaient devenues si dures comme ça pour toi. C'est ça, oh. Juste que je ne voulais pas te déranger, sachant bien que tu as aussi tes responsabilités en tant qu'un homme. Et ça ne fait pas longtemps, tu as commencé ta vie. Et de deux, on n'est pas ensemble, tu habites très loin de moi, alors tu ne pourrais pas vite la prendre. Bro, laisse-moi te demander un truc. Qu'est-ce qui a fait que tout puisse chambouler comme ça d'un coup? Je veux dire, tous les deux avez perdu vos boulots au même moment. Je ne sais quoi dire. Et honnêtement, je ne saurais l'expliquer. Je n'ai jamais vu une telle chose avant. Je suis aussi surpris que toi. Sérieux, je suis vraiment désolé pour tout ce qui t'arrive. Vraiment désolé. Et qui est cette Cynthia dans la maison? Oh, Cynthia est ma domestique. C'est une personne merveilleuse. Au fait, elle est d'une grande aide pour nous. C'est ça la vérité. Ok, c'est bon si tu le dis comme ça. Yeah.
uambia robo wariri. Uambia robo wakwa. Agama kosa ronya kukuwa mua. Agame besa ronya kuwa mua. Richard. Oui, mon père. Le Seigneur veut que tu entreprennes les affaires. Oh, merci, père. Mais n'achète jamais à crédit. Merci, père. Mon père, il y a encore une autre chose. Mon grand frère se retrouve dans un très grand problème. Sa famille tombe malade mystérieusement. Il a perdu son travail de manière très bizarre. Et juste après un moment, il a perdu son fils. En tout cas, tout ce dont il a besoin, ce n'est que la prière. C'est pitoyable. Mais c'est très étrange. Mais t'inquiète, je mettrai ça en prière. Oh, merci, mon père. Et là, il est dans la souffrance il y a déjà 7 mois. 7 mois? Oui, 7 mois, mon père. Mon cher ami, j'ai appris la mort de ta fille. Malheureusement, tu n'as informé personne. J'ai pas vu qu'il était nécessaire de faire ça. Parce qu'elle n'était qu'une enfant et c'était si dévastateur et déchirant pour nous. Nous n'avons qu'à nous précipiter pour l'enterrer afin de pouvoir vite le surmonter et commencer à guérir. Eh bien, je suis vraiment désolé à propos de tout ça. Merci. Tout ce qu'il me faut maintenant, c'est une aide, une petite aide financière ou bien peut-être un endroit où poser ma tête. Je veux revenir en ville et recommencer la vie. Mais tu vois la manière dont je vis avec ma femme et toute ma famille. Là, je veux dire, essayer de vivre avec quelqu'un d'autre. Mais vraiment, je vais être clair avec toi, il n'y a pas de possibilité pour ça. Mais j'ai un ami proche à moi aussi. Il a une grande auberge. Je vais lui parler un peu. Et je crois que ça ira, il va te loger. Merci beaucoup. Mais de toutes les façons, toi tu es mon cher ami, je ne peux pas te laisser souffrir pendant beaucoup de temps. Merci, si tu le fais pour moi, je serai très reconnaissant. Je t'en prie mon cher. Merci, merci beaucoup. Dieu te bénisse. Bébé. Mon amour. Le seul sucre que j'aime. Ma partie préférée. Bébé. Tu sais que je t'aime aussi. C'est lui-là. Tu appelles toujours ces fous, mon mari. Bébé, tu m'as beaucoup manqué. Oh. Bien sûr que je suis prête. Dis-moi d'arriver et je veux vite voler. Ah, j'arrive maintenant même. D'accord, mon amour. Au revoir, à demain. Cynthia, salut. Ah, bon après-midi. Bon après-midi. Où est passé tout le monde? Ah, ils sont sortis. Voilà pourquoi je prépare quelque chose rapidement pour eux. Laisse-moi profiter de cette occasion pour apprécier ce que tu fais. Mon frère m'a parlé d'absolument tout ce que tu fais pour eux. Je te remercie pour ça. Je t'en prie. Je dois me déplacer pour le moment. Aide-moi juste à prendre... Ce matin, je n'ai que 20 000 negras. Ok. Merci beaucoup pour l'argent. Ok, ce n'est rien. Prends bien soin de toi, ok? Et toi aussi. Merci beaucoup. De rien.
Cette nuit sera très merveilleuse. Cette nuit sera très merveilleuse. Oh, waouh. Oh, quelle merveilleuse nuit. Ah. Mon amour, je suis arrivée à la maison. En fait, tu m'as fait sentir comme si je vivais dans les hauteurs. Tu comprends ce que je dis, non? J'étais vraiment très montée. Ah ah. Encore une fois, merci pour le cadeau. D'accord, chérie. À très bientôt. Ne me manque plus beaucoup, s'il te plaît. Ne le fais pas. D'accord. Prends bien soin de toi. S'il te plaît. N'est-ce pas? D'accord. C'est quel genre d'homme? Oh, chérie. Oh! Cette nuit sera merveilleuse. Il fait toujours beaucoup d'argent. J'ai pensé que c'était déjà fini. Les hommes travaillent toujours pour prendre soin de leurs femmes. Ils les font sortir, ils les surprennent avec des cadeaux comme celui-ci. Mais quelques fous, des idiots paresseux, sont là en train de pleurer pour celles qu'ils ne peuvent pas maintenir. Hein? Tu dois être content du fait que quelqu'un est en train de t'aider sur ce que tu devais faire. Et tu es en train de pleurer pour ce que je ne comprends même pas. Est-ce la méchanceté? Tu n'arrives pas à prendre soin de ta femme et quelqu'un qui s'est présenté pour t'aider et tu pleures. Tu n'es pas content. C'est ton problème, hein? Hein? Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Ah! Je me suis très bien sentie! Hey, Richard. Bonsoir, comment tu as su que je suis ici? J'étais allé à la maison et on m'a dit que tu t'étais déplacé. Et je savais que c'est ici que j'allais te retrouver parce que j'en étais sûr. Ah, je vais bien. S'il te plaît, utilise cette petite somme pour t'occuper de deux ou trois trucs. Je me débrouille actuellement pour te trouver un peu d'argent afin que tu commences un business. Richard, tout ça, et tu cherches toujours à susciter plus d'argent? Ne va-t-il pas affecter tes affaires? Je n'ai pas d'autres frères, tu le sais. Je peux faire n'importe quoi pour toi. Merci frère, merci Richard. Que Dieu te bénisse. C'est bon, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Je crois bien que tu devrais rentrer à la maison okay, maintenant. Merci. Je crois que je vais te laisser. Dieu te bénisse, hein? Ok. Mm-hmm.
de te donner une meilleure vie. Mais la nature s'est décidée autrement. Et te voilà partie. À jamais, tu vis dans mon cœur. Je t'aime beaucoup aussi, Malochukwu. Tu me manques, bébé. Bon. Bébé, ça tu va, me aller, manques. Madame. Ça va aller. Omar. Omar. Tu calmes. Aussi mal au Djoukou, ma fille. Aussi mal au Djoukou. Cynthia, ma fille. Maman. Tu as été bon pour nous et d'une importante utilité. Oui, maman. En te regardant, je peux voir que la vie n'a pas été juste envers toi étant que jeune fille. Nous avons apprécié et nous apprécions tout ce que tu as fait pour nous. Mais je crois qu'il est temps pour toi de rentrer en ville. Qui sait ce que la vie te réserve à ton retour? Au lieu de rester ici et ne rien faire. Ton avenir est brillant. Tu dois rentrer et préparer ton avenir. Merci, maman. J'ai entendu tout ce que tu as dit. J'avais déjà pensé à ça. C'est juste que j'attends que Tantine puisse reprendre ses sens et ensuite je m'en irai. Je ne peux pas partir comme ça. Maman, merci beaucoup. Pour tes conseils, ça me va droit au cœur. De rien. Tu es une bonne fille. Tu as toujours pensé au bonheur des autres. Hein? Tu pensais au rétablissement de Tantine Steph avant de rentrer en ville. Que Dieu te le rende au sensible. Amen, maman. Que Dieu te bénisse. Tu seras bénie. Non. Prends ça. Prends c'est pour ton déjeuner et ton dîner. Moi, je sors. S'il te plaît, ne m'attends pas, je ne pense pas revenir. J'ai envie de me défouler un peu dehors. Avec des hommes capables. Des hommes qui connaissent mon travail. Les hommes qui peuvent bien prendre soin de moi. Et non les gens comme toi. Bon, c'est bon, moi je m'en vais. Rassure-toi de bien bloquer la porte. Tu le diras aussi à la sentinelle. Oh, mon père, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est arrivé? Après la prière, le Seigneur m'a révélé que ton frère et sa femme sont la cause de leurs problèmes.
mon frère ainsi que sa femme. Mon père, êtes-vous sûr? Mais, s'il vous plaît, je ne comprends vraiment pas ça. Mon père, je vous en prie, expliquez-moi ça. Comment? Je veux que nous discutions de quelque chose. Et pour le bien de cette famille. Depuis que tu es dans l'incapacité de prendre soin de cette maison en tant qu'homme, en fait, c'est la condition dans laquelle tu te retrouves maintenant. Et que je sois à la tête de cette maison maintenant. Je désire que nous puissions changer quelques responsabilités. Tu vas rester à la maison pendant que moi je commence à sortir pour travailler et ramener l'argent à la maison. Mais quand tu es à la maison, tu vas commencer à faire la lessive, tu vas commencer à préparer, et même le nettoyage, c'est les rôles d'une femme. Est-ce que tu auras un problème avec tout ça? Est-ce que tu auras un problème avec tout ça? Tu ne sais pas me répondre? Tu ne m'entends pas? Mike. Je suis dans une situation critique maintenant et j'ai besoin de ton aide sérieusement. Benson, je suis désolé pour cette situation. Mais comment veux-tu que je puisse t'aider? Je ne sais pas si je peux trouver une voiture auprès de toi ou bien quelque part pour en faire un taxi. Même si c'est un tricycle que je peux obtenir en location-vente juste pour m'occuper. Ça? Je ne le fais plus si facilement ces derniers temps. Parce que plein de gens se sont endettés depuis et ne m'ont jamais rien payé. Mais puisque ça te concerne, je veux bien t'aider. Merci beaucoup, merci. Je compte sur toi. Mais tu dois me rassurer d'une chose. De quoi s'agit-il? J'ai juste besoin d'une caution, une petite caution. C'est tout ce que je vais te demander. Tu peux me faire confiance, s'il te plaît. Ok, s'il s'agit d'une caution, je peux trouver quelqu'un qui se portera garant pour moi. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Tu sauveras une vie. Merci. S'il te plaît, mon fils. Qu'est-ce que tu dis? Maman, c'est ce que le révérend père avait dit. Son nom est le révérend père Jude ou bien Maduka. Il est en charge de Kali Deliverance Ministry. Père Jude Maduka. Exact. Il a un ministère de délivrance. Oui, c'est ça. Il joue le rôle de coordonnateur de ce ministère. Alors, peut-être... T'as-t-il expliqué les choses? Il ne m'a pas donné l'information précise, mais quand j'irai en ville, je vais voir grand frère et puis on va en parler. Ogochukwu. Oui, maman. Rentre en ville. Je vais avoir des informations sur ces ministères. Hein? Nous en avons besoin. Rien ne marche. D'accord, maman, je vais essayer. Une fois que je rentrerai en ville, je vais essayer d'en savoir plus sur ce ministère. Allô, Richard. Que je vienne à la maison maintenant. J'espère que tout va bien. Ok, j'arrive. Ken, je ne le ferai plus jamais. Non, je ne le ferai plus. Ma grand-mère n'avait pas pris soin de son mari. Ni mon papa vers ma maman. J'ai pas fait ça dans ma famille. Ça ne peut pas commencer par moi, jamais. Je ne saurais pas le faire. Peut-être qu'on doit tout arrêter maintenant. Comme ça, tu peux reprendre ta vie. Hein? Mais j'ai pensé qu'on avait commencé ça avec amour. Où est l'amour? Je crois fortement en ce qu'on dit que il n'y a aucune condition qui soit permanente. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps et je vais tout arranger. Les choses vont finir par s'arranger. Kenneth Iwa Boudou,
Je suis contente que tu aies mentionné l'amour. L'amour exige la maintenance. Si tu ne le maintiens pas, ça va mourir. C'est quoi avec toi? C'est bon, je comprends comment tu te sens en ce moment. Tu ne comprends pas. Mais calme-toi, je pensais à... J'ai pensé à ce que Richard a dit. Mais je n'ai rien trouvé. J'ai fait une rétrospection sur ma vie. Je ne peux pas me souvenir d'un moment où j'ai fait tort à quelqu'un ou bien j'ai fait quelque chose de mauvais. Je ne peux pas me souvenir avoir fait quelque chose pour mériter ça. Donc réfléchis. Fais une rétrospection pour savoir si tu avais fait tort à quelqu'un, consciemment ou inconsciemment. Mon cher mari, tu crois que je n'ai pas fait ça? J'ai examiné ma vie de jeune et même de femme mariée. Je ne me rappelle pas avoir offensé même un insecte. Hey. Je ne sais pas pourquoi tout ceci nous arrive. Je n'en sais rien. Hey. Ah, Dieu. Tout ça devient plus confus. Bien. Continuons la prière comme le révérend père l'a ordonné. Je crois qu'un jour tout ça finira. Amen. Amen, j'espère bien. Maman! Maman! Oh, maman, sois la bienvenue. Oh. Maman, comment vas-tu? Ça va bien, ma fille. Maman, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as aussi manqué, mon fils. Ça fait longtemps que tu ne viens plus me visiter. Je mon suis fils. Là maintenant, pourquoi? Maman. Ah, qu'en est-il de ta voiture? Tu l'as laissée en route? Bienvenue, père. Merci, paix à cette maison. Amen. 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 Merci, merci beaucoup, père. Dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit « Le diable est venu pour tuer, pour voler et pour détruire. Mais le Seigneur est venu afin que vous ayez la vie et l'avoir en abondance. » Amen. Le problème que vous avez, vous en êtes la cause, vous deux. Comment? Mon fils, allez, parlez-moi. Depuis quelque temps, mon business a vraiment connu des problèmes et j'ai fini par le fermer. Les choses ont vraiment très mal tourné. J'ai perdu tout ce que j'avais. Si je n'avais pas été assez fort, je serais même déjà mort en ce moment. Qu'est-ce que je veux faire? Tu es mon mari. Donc, maman, c'est un peu ça. Oui. Voilà ce qu'il s'est passé, maman. Ah, Chimo. Mon fils, prends courage. La vie est faite des surprises. Hein? Mais je sais que le Dieu que je sers te visitera. Hein? Le temps est dur pour tout le monde. Benson, ton ami, vit maintenant dans ce village. Avec sa famille. Benson dans ce village? C'est exactement ce que j'essaie de te dire. Maman, je vais le voir maintenant. Chérie, viens, on y va, ce n'est pas oui, loin. Oui, c'est vrai. Jeune fille, pourquoi tourmentes-tu cette famille? Quelle Cynthia. Jeune... Moi, ouais, toi. Grande reine-mère. J'ai réussi à prendre tout ce que Kenneth avait. Et je lui ai aussi dit que c'est fini pour lui. Tu es plus grande que la grandeur, plus forte que le fort, plus puissante que le tout-puissant. La reine-mère. J'ai réussi à m'incruster dans la famille telle que vous me l'avez dite. Je les ai trouvés heureux et unis. J'ai graduellement commencé à gâcher leur bonheur. Et très bientôt,
dans très peu de temps. Il ne leur restera plus rien des bons. Seulement la tristesse, l'agonie, le chagrin et l'affliction. Tu es la vraie fille de la reine. Très bien, ma fille. Cynthia est celle qui est choisie. J'ai besoin de son sang à un temps record. Vos désirs sont des ordres, la reine mère. Tu dois confesser maintenant, sinon l'Esprit de Dieu ne te laissera pas. Père, dites-leur que... oui. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de confesser. Arrête-toi là. Qu'est-ce que tu penses donc faire, monsieur? Bien. Qu'est-ce que je vois ici? Ah. Sors d'ici avant que je ne puisse te détruire. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, ne touchez point à mon nom et ne faites point de mal à mon prophète. Monsieur, je te demande de sortir. Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de te manifester et de montrer qui tu es. Sors! Révèle-toi! Dégage! Ne quoi, gna, gna. Révèle-toi au nom de Jésus! Ah, ne quoi, laisse-moi la fille que tu m'as présentée! Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez! Cynthia! Hey, manifeste-toi! Cynthia! Manifeste-toi! Manifestez-vous! Manifestez-vous maintenant! Manifestez-vous! Manifestez-vous maintenant! Soyez déliés! Je vous ordonne au nom de... Non! Jésus. Regardez celle-là. Hey. Poisson de mer. Poisson de mer. Maman. Mami Wata. Mami Wata. Écoute-moi, non. Hey. Vous demandez de révéler votre vraie identité maintenant. Cynthia. Cynthia est un serpent. Oh. Aujourd'hui, le salut est parvenu dans cette maison. Amen. Car le Seigneur a finalement délivré cette famille. Amen. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, la raison pour laquelle le Fils de Dieu est apparu est de détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Ken, à cause de ton problème, tu n'as pas cherché à savoir exactement qui tu épousais. Tu devrais normalement chercher à la connaître et, si possible, la mettre en prière. Parce que tout ce qui brille n'est pas or. Et Nelson et sa famille, écoute, Chaman, ton problème majeur est que la femme qui est ton épouse est censée se soumettre à l'homme. Et ça a causé à cette famille le fait d'amener une personne étrangère comme une domestique. Il y a beaucoup de personnes possédées de démons qui se promènent comme des domestiques détruisant des familles. C'est pourquoi vous devez être prudent. Et avant de trouver quelqu'un pour rester dans votre maison, vous devrez présenter cette personne pour la prière.
Mais je remercie Dieu qui a délivré cette famille. Et rassurez-vous que Dieu vous a délivré. Amen. Et parce que le Fils de Dieu vous a libéré, vous êtes réellement libre. Amen. Et je sais avec passion que cette famille prospérera encore. Amen. Amen. Levez-vous pour la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Père, nous te remercions pour avoir délivré cette famille. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur Jésus, à ta parole. Et parce que tu as libéré cette famille, je la mets sous ta protection. Amen. Ils sont protégés dans leurs sorties et dans leurs entrées et aucun mal ne Amen. Leur arrivera au nom de Jésus. Amen. Amen.